Élection présidentielle. La HCC répond aux accusations des candidats. La Haute Cour constitutionnelle, par la voix de son président Florent Racotoir-Chou, appelle les candidats à la présidentielle à préserver la paix et la sérénité. En réponse aux accusations portées par le collectif des 11 candidats, il faut savoir que son institution n'est pas habilitée à ouvrir une enquête sur l'authenticité du document de nationalité malgache d'un quelconque candidat, mais se limite à s'assurer de la conformité des dossiers de candidature au texte en vigueur. À ce titre, Florent Racotoir-Chou indique que le candidat individuel n'a constitué et a fourni un dossier complet, incluant un certificat de nationalité malgache en bonne et due forme, ce qui lui a valu la validation de sa candidature. En ce qui concerne l'attribution de l'intérim du président de la République au gouvernement collégial, Florent Racotoir-Chou affirme que la HCC a agi en toute légalité et qu'il réfute catégoriquement les accusations des 10 candidats de mercredi dernier sur la mise en œuvre d'un coup d'État institutionnel. Enfin, la réunion convoquée ce jour par la HCC avec les 11 candidats contestataires a été annulée.